suis le dernier. Le marché qui veut ça. Après moi, le déluge. Que leur grenier sans plus de merde, après tout, et que tout le bordel leur tombe sur la gueule. J'ai fait mon temps, et plus que mon temps. On passe sa vie à scoltiner les vieilles frusques à la chaise démembrée, et puis on finit soi-même à la déchetterie, comme ils disent. Et plus vite qu'on croit. À part ça, qu'est-ce qu'il raconte? Dieudonné veut liquider l'usine. Ça y est, je revois l'article avec sa bobine. Je veux dire la tienne. Kern, oui. 1000 gars sur le trottoir, la fin des haricots. Hein? On parle que de ça en ville. Dieudonné aussi a fait son temps, faut croire. Allez, oust! L'usine, les presses, les poils. Poubelle. Les travailleurs ont également leur mot à dire. Vous pensez pas? Ah, vous n'êtes pas un chiffonnier ordinaire. Ah, j'espère bien que non. Et je tiens des dons de ma mère, qu'elle repose en paix. Quel genre de dons? Je lis dans les yeux. L'avenir? Je lis ce qu'il y a à lire, fils, on s'en compte poser de questions. Concernant l'avenir, une seule certitude, il n'est pas derrière toi. Je vois ce que je vois. Et chacun voit ce qu'il veut dans ce que je vois dans ses yeux. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que vous voyez dans les miens? Approche-moi. Alors? Des ruines! Si c'est bien toi, Kern, t'es en retard. Tout le monde t'attend. Tu te fais désirer. Tu te prends pour un autre. Tu es fils d'ouvrier, pas vrai? Possible. Ça va chercher dans les combien, une terreur dans ton genre? Combien ça coûte de transformer un prolétaire en chien de garde du capital? Tu parles comme un vieux schnock de communiste, Kern. Tu veux dire comme ton père, Terreur? Comme ton vieux schnock de communiste de père? Le rendez-vous est pris, Kern. Si c'est une raclée que tu cherches, tu n'as plus à t'en faire, elle est devant toi. Parole d'homme, t'y couperas pas. Dans le vestibule, escalier en face, premier étage, grande porte à droite. Laissez-moi vous présenter ces messieurs. Didier Larche-Malonceau, patron de la SMAD, président du Fonds interrégional de développement. Olivier Delaboucle, PDG d'Eurofluide. Mademoiselle Veltz. C'est cela, sa secrétaire. Ecce homo, messieurs. Voici l'homme, Jonas Kern. Messieurs, vous connaissez ma fille? Bonsoir, Jade. Monsieur Delaboucle. Quelle drôle de chemise vous portez là. Vous trouvez? On dirait un plastron en papier crépon. Voyons, Jade. Ne dirait-on pas plutôt de la soie? Vous voyez donc pas quel mot taquine, c'est... Jade! Monsieur Kern est militant syndicaliste, tenant d'une ligne pure et dure, très dévoué à sa cause. Comme vous le savez, messieurs, les usines Dieudonné sont en grève. Les ouvriers occupent les ateliers, les bureaux sont bouclés, fax et téléphone débranchés. Une banderole réclamant ma démission pendouille sur la façade nord et notre DRH a eu le nez cassé. Monsieur Kern, ici présent, est le leader charismatique du mouvement. 12 000 fiches de paye par an, Kern. 1 200 000 par siècle. Rétribuant près de 2 millions d'heures de travail annuel, monsieur. 200 millions par siècle. Dont il convient cependant, Kern, de soustraire 160 000 heures de congés annuels, 80 000 de congés maladie et près de 30 000 de congés maternité. Sans parler naturellement des heures consacrées à la formation permanente ou aux activités syndicales, n'est-ce pas? Vous oubliez les journées de grève. 12 en 5 ans. 12 que multiplie 1000 employés, que multiplie 8 heures font 96 000 heures en 5 ans, Ken. Pas loin de 2 millions par siècle. 2 millions d'heures de grève? Bels! 1 920 000, monsieur. Insensé. Sans compter, cher monsieur, qu'un adulte perd en moyenne 100 000 neurones par jour. Ce qui représente une perte sèche journalière de 100 millions de neurones pour les seuls établissements Dieudonné. Soit un déficit annuel de... Combien? 36 milliards 500 millions. Bête! Révoltant, non? La messe est dite, monsieur Kern. Albert, vous vendez des poils pour investir dans une entreprise de pointe. Eurofluide, pour ne pas la nommer, qui a multiplié par 100 son chiffre d'affaires en 10 ans. Ce qui signifie création d'emplois, conquête de marchés étrangers, avancées technologiques.
Ce que le soi-disant poète ne digère pas, c'est qu'il n'y a pas de place chez nous pour un troupeau de vieux métallos pantouflards. Il est très vieux jeu, en définitive. Exactement. Du passé, faisons table rase, messieurs. À Eurofluide. À nous. Vous le lirez dans le journal. Desserrez donc les gants, monsieur le bolchevik. Rangez votre couteau et faites-moi un sourire. Je ne suis pas d'humeur à vous faire bonne figure, mademoiselle Dieudonné. J'ai 1000 personnes dans un hangar d'usine qui voient l'avenir en noir. Et vous êtes la fille du type qui va nous envoyer les CRS pour nous taper sur la gueule. Peu importe les coups. Celui qui ne craint pas d'en donner n'a pas peur d'en recevoir. Un point de suture vaudra toujours mieux qu'une courbette. Voilà pourquoi on se bat, mademoiselle Dieudonné. Parce qu'on veut la justice et le respect. Vous voulez un scoop? J'estime avoir mon mot à dire dans cette affaire. Je suis hostile à l'avance. Voyez-vous ça? L'allié surprise. La propre fille du taulier. Ces types-là ne vivent pas vieux. Ils ne vous embêtaient pas, au moins. Ces types-là vont seuls et droit dans le mur, cramponnés au guidon de leur mobulette. Ces types-là ont vu quelque chose, Cass, que ni vous ni moi n'avons vu, et ne verrons sans doute jamais. Nous ne verrons pas parce que nous pressentons que le voir nous tuerait plus sûrement qu'aucune arme ou qu'aucune maladie. Mais M. Kern l'a vu, ce quelque chose. Et il s'est lancé à sa poursuite sur sa petite mobilette de prolétaire. Tout ce que ces types-là savent faire, c'est mettre des grands mots sur des choses minuscules. Votre maman travaillait chez nous, je veux dire à l'usine, n'est-ce pas, Cass? Oui, mademoiselle. Elle y a laissé un bras broyé par une presse. Elle n'a plus jamais été la même après ça. Mon frère et moi, on s'était fait le serment de ne jamais foutre les pieds à l'usine. Il y a 30 ans de ça. On a tenu parole. Et vous voilà au service de Monsieur de la Boucle? Affirmatif. Satisfait? Ma mère disait toujours « mange donc, tu ne sais pas qui te mangera ». Elle avait bougrement raison, n'empêche. L'éducation, Cass. Tout est là. Ma grande sœur peint ses petites fleurs. Passiflora incense. Unique, tu ne trouves pas? On dirait une variété de méduse bleue. Excellente en décoction contre l'angoisse et la nervosité. Je t'en prépare une tasse. Je me trompe ou tu bois de plus en plus? J'ai vu Dieudonné ce soir. Il va faire évacuer. Qu'est-ce que vous comptez faire? Baroud d'honneur. Limiter la casse. Et puis... Le chômage pour les deux tiers. Les autres en pré-retraite. Voilà des fleurs pour un peintre. Buisson de licenciés. Massif de laissés pour compte. Les fleurs fanées de la nouvelle donne économique. Tu bois comme un trou à présent. La fleur a soif. Elle a aussi la trouille, figure-toi. La fleur devrait se mettre à peindre, au lieu de quoi elle picole. Je te déçois. De quoi s'agit-il exactement? Question de perspective, ma vieille. Aucune révolution en vue. Si tu attends la révolution... Je n'attends pas la révolution, ma vieille. Il n'y aura pas de révolution. L'idée même de révolution a séché entre deux feuilles de livre. Comme ces fleurs qu'on cueille et qu'on oublie, et qu'on retrouve parfois à la faveur d'une relecture.
On se dit, tiens, j'étais d'humeur à ça. Et quelle idée de l'avoir mise là, en réserve, et en réserve de quoi? Et qu'est-ce que j'avais en tête? Et qu'est-ce que ça signifie? Le sens a fané comme fane la fleur sous cette table. Restent les mots et les tableaux. Tout l'espoir, la passion, la joie, confinés dans 10 mètres carrés de bibliothèque. Les livres volent et nous regardent couler. Tu es un peintre réaliste, je suis un révolutionnaire abstrait. La tête dans les nuages, je coule. J'ai le corps balafré de rêves d'une autre époque. Aujourd'hui, je lis le journal et je me gratte. J'évite de me regarder nu dans une glace, toutes ces coutures me font honte. C'est la disgrâce finale. Plus qu'à me coudre les yeux et la bouche, bourré de paille l'intérieur, un manche à balai dans le cul, et me voici, l'épouvantail. De Kern. Du ballet Kern, je te parle d'Olivier. Qui ça? De la boucle, Mohamed Ali. Il me plaît. Qu'en dis-tu? J'ai déjà refusé 3 invitations à dîner. J'ai appris ça. Il est mordu, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je lui ai conseillé d'insister. Pour qu'il essuie un 4e refus. Dîner, ce n'est pas la mer à boire. Nous sommes êtres civilisés, oui ou merde? Il passera te prendre demain sur le coup de 20h. C'est nul. Encore votre problème d'épaule, patron. En confiance. Blah. Épaule, tête, assise, confiance. Blah. Qu'est-ce que ton vieux schnock de communiste de père dirait d'un guignol de cet acabit? Toi, je ne veux pas t'entendre, compris? Votre chien casse. Comment l'appelez-vous? Grand, patron. Je me suis souvent fait la réflexion. On dirait qu'il pense, vous ne trouvez pas? Pas le cas de tout le monde ici, hein? La chiennerie des hommes est à ne pas croire. Jonas Kern n'aime pas l'amour. Mais il aime te tenir dans ses bras. Et le voici perdu. 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 J'ai pensé quelquefois faire le voyage pour la Terre de Feu. Et puis je referme le beau livre d'images. Et je regarde s'éteindre les lumières de l'immeuble d'en face. Partons là-bas. Hein? Je ne sais pas. Après. Peut-être.